Comment créer sa propre imprimante 3D. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment créer son imprimante 3D à partir de zéro. C'est vraiment un projet qui peut être hyper passionnant et hyper gratifiant pour tous les bricoleurs et les passionnés d'impression 3D. Dans cette vidéo, on va pas parler des kits de montage d'imprimante 3D hein, qui sont disponibles sur internet. On va vraiment parler de comment créer une imprimante 3D en partant de zéro. Pour ce qui est des composants, par contre, on n'est pas des ingénieurs. En tout cas, moi je le suis pas, donc on ira directement les acheter. Pareil hein, pour le système de framework, on va pas le développer non plus de A à Z, on prendra les plus connus, à savoir le framework Merlin. La première étape, ça consiste à choisir les composants nécessaires pour construire votre imprimante 3D. Vous allez avoir besoin d'un plateau chauffant, d'un extrudeur, d'un bloc d'alimentation, d'un moteur pas à pas, de vis sans fin et de roulement, ainsi qu'un microcontrôleur comme une carte Arduino. Cette étape, elle va vraiment conditionner hein, la qualité de votre imprimante 3D. Si vous choisissez des composants bas de gamme, en toute logique, votre imprimante sera bas de gamme. Donc, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, regarder les avis sur chaque pièce, vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. En commentaire, on vous mettra une liste de composants possibles, mais évidemment, c'est un choix parmi d'autres. Potentiellement, vous pouvez en prendre d'autres. Deuxième étape, la modélisation. Dans cette deuxième étape, vous allez devoir modéliser l'imprimante de vos rêves. Ce n'est pas utile de modéliser les composants que vous avez achetés durant la première étape, mais au moins prenez note de leurs dimensions afin d'être sûr des dimensions globales de tous les éléments de votre imprimante. Ça serait bête qu'une pièce ne rentre pas. Dans la description, on vous propose des exemples de fichiers d'imprimante 3D que vous pourrez soit modifier, soit simplement vous en inspirer. Ensuite, commencez à choisir un logiciel de modélisation 3D. Vous pourrez utiliser des logiciels tels que Fusion 360, SketchUp, voire même Blender ou Tinkercad pour créer votre modèle 3D. Choisissez celui que vous maîtrisez le mieux, évidemment. Deuxième partie, vous allez devoir concevoir les pièces. Vous devez concevoir les différentes pièces de votre imprimante 3D, comme le châssis, la plaque de base, le porte-bobine, le bras de l'extrudeur, etc. Troisièmement, assurez-vous de prendre en compte les dimensions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de tenir compte des dimensions précises de toutes les pièces afin que l'ensemble soit cohérent et correct, notamment des composants préalablement choisis comme l'extrudeur, le bloc d'alimentation, vraiment les grosses pièces. Vous pouvez également rajouter des fonctionnalités comme un écran LCD, un capteur de niveau, des lumières LED, vraiment tout genre de choses qui sont pas le cœur même forcément de l'imprimante 3D. Troisième étape, l'impression. Une fois que vous avez terminé la modélisation de votre imprimante 3D, vous pouvez l'exporter sous forme de fichier STL ou OBJ et l'importer dans un logiciel de découpe hein, comme Cura ou Prusa Slicer pour vérifier les ajustements nécessaires. Une fois que vous êtes satisfait de votre modèle 3D, vous pourrez créer tous les éléments. Pour tous les éléments en plastique, hein, je pense notamment aux porte-bobines, vous pouvez directement les imprimer avec votre imprimante si vous en avez une, évidemment. Ensuite, pour tous les éléments qui là doivent être très solides, notamment les éléments profilés en aluminium, vous pouvez, si vous êtes manuel, les créer par vous-même ou alors demander à un tiers de les fabriquer ou même essayer de les trouver en quincaillerie. Troisième élément, enfin, acheter les éléments restants que vous ne pouvez pas créer comme les vis ou les boulons. Sauf si vraiment vous êtes très motivé et dans ce cas là bonne chance à vous. Quatrième étape, l'étape de l'assemblage. Une fois que vous avez créé tous les composants nécessaires, vous pouvez commencer à assembler votre imprimante 3D. C'est important de vérifier que tout est correctement fixé et bien aligné pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc vissez bien au maximum sans casser le pas de vis. C'est plutôt probable hein, que le premier montage de votre imprimante soit un peu laborieux. Si c'est le cas mais que votre imprimante 3D est quand même un minimum fonctionnel, vous pourrez ajuster le tir en réimprimant par la suite les nouvelles pièces. Cinquième étape, la configuration. Dans cette étape, va falloir configurer le framework de votre imprimante 3D. Tout d'abord, vous devez choisir un framework pour votre imprimante. Le framework le plus courant en imprimante 3D, c'est le framework Merlin. C'est d'ailleurs celui qu'on va utiliser. Évidemment, il y en a plusieurs sur le marché. Chaque framework propose des avantages et des inconvénients. Donc faites des recherches en fonction de vos besoins pour déterminer celui qui vous correspond le plus. Après, la logique d'installation reste la même dans tous les cas. Ensuite, vous créez un nouveau fichier de configuration pour votre framework. Certains frameworks proposent des fichiers de configuration par défaut pour des imprimantes 3D courantes. Vous pourrez donc essayer de partir des bases d'un framework pour ensuite l'adapter à votre imprimante, à vos différents réglages. Mais si vous avez des connaissances en tant que développeur, vous pouvez même vous amuser à créer un fichier à partir de zéro et vraiment de configurer un nouveau fichier. Troisième étape, le fichier de configuration. Vous devrez spécifier des informations sur votre matériel comme la carte mère, les moteurs pas à pas, les capteurs de fin de course, les ventilateurs. Quatrième point, configurez ensuite les paramètres de votre impression 3D comme la température, la vitesse, les paramètres de capteur. Ensuite, sauvegardez les modifications importantes
exporter sur votre fichier et compilez-les pour créer un nouveau framework. Enfin, vous pouvez charger le nouveau framework sur votre imprimante 3D à l'aide d'un logiciel de téléchargement de framework. Cette étape-là, elle n'est pas des plus simples, hein, d'autant plus si vous vous trompez au niveau des données que vous rentrez sur votre framework. Donc faites vraiment attention, vérifiez plusieurs fois et si ça ne marche pas, ne vous énervez pas, essayez de retourner dans vos dossiers pour voir ce que vous pouvez modifier. Sixième étape, l'impression. Ça y est, vous avez maintenant votre propre imprimante 3D, vous êtes maintenant censé lancer vos premières impressions. Téléchargez un fichier en .stl, un Benchy par exemple, ou créez votre propre modèle et comme pour une impression 3D classique, hein, vous importez votre fichier STL sur un slicer. Nous par exemple, on utilise Prusa Slicer, mais vous pouvez utiliser Cura, il y en a plein d'autres, pour convertir votre modèle en instruction pour votre imprimante 3D. Là aussi, il est probable que votre première impression soit un échec. Essayez donc de comprendre d'où vient le problème pour l'ajuster. Est-ce que c'est simplement un problème de réglage sur votre imprimante 3D ou c'est un problème plus profond au niveau du framework? Donc voilà, vous avez maintenant créé votre propre imprimante 3D. C'est un projet qui peut sembler très complexe au début, mais si on y va étape par étape, si on s'aide des différents forums qui existent sur internet et quand même d'une communauté aujourd'hui de printers qui est de plus en plus importante, vous devriez vous en sortir. Si vous avez des questions techniques en commentaire, notamment au niveau des différents paramétrages, n'hésitez pas à nous les poser, on essaiera d'y répondre au mieux. Et si vous souhaitez pas vous prendre la tête mais quand même apprendre à utiliser une imprimante 3D, sachez qu'on propose une formation pour devenir autonome en impression 3D où on fournit tout le matériel nécessaire. Donc allez faire un tour sur notre site internet.